Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes le mercredi, j'allume parce qu'il fait, il fait nuit. Nous sommes le mercredi 21, je crois. Oui, c'est ça. Nous sommes le mercredi 21 février et il est 10h. On s'est levé tout doucement avec Logan. Logan, non, moi je me suis levée avant, je me suis levée vers 8h. Logan, il a dormi à peu près jusqu'à 9h. Il est là, je vais vous montrer. Boudou. Doudou. Doudou. Ça va, mon chéri? Voilà, donc on s'est levé tranquillement. On a pris notre petit déjeuner. Moi j'ai déjà pris ma douche. Je me suis mis en tenue de maison. Ça sert à rien que je me suis mis une petite robe pour traîner à la maison parce que depuis samedi il pleut. Voilà, donc du coup on ne peut pas bouger, on ne peut même pas sortir. Donc comme ça au moins c'est fait. C'est pour ça aussi que je ne vous ai pas trop vlogué parce que on ne peut rien faire. On est à la maison. Voilà, donc du coup. Mais bon, il faut essayer de retrouver un petit rythme quand même. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est financière. Alors hier soir j'ai oublié de la sortir, donc je pense que ça sera que pour ce soir. Midi, on finira, je pense, le farci que j'ai fait hier. Voilà, donc là tout le monde dort encore. Moi j'ai déjà fait le lit à Logan. Et là je vais faire le mien que je n'ai pas encore fait, je traîne un peu. J'attends un petit peu que tout le monde se réveille tranquillement parce que ça sert à rien de faire du bruit. Puis la journée est longue, donc du coup on a le temps. Là j'ai fait ce matin un petit jeu pour Logan. Je vais vous le montrer. Voilà, je vous disais que ce matin j'ai fait un petit jeu pour Logan que j'ai regardé sur Pinterest et j'ai vu qu'il y avait ça. Alors ça c'est pour la motricité fine. Et bon, pour le moment, il arrive un petit peu, mais ça le saoule un peu. Donc, il faut qu'il s'accommode avec ce nouveau jeu. Alors, je vais vous montrer de suite. Voilà, donc c'est une boîte de lait hein, que j'ai fait des petits trous dedans. Et en fait, il faut qu'il mette les pailles à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ça, voilà. Et il faut qu'il mette les pailles dans les petits trous comme ça. Donc c'est vraiment pour la motricité fine. Il y arrive un petit peu, donc il tâtonne un petit peu autour. Mais bon, plus ou moins, il y arrive. Et c'est le même système que j'avais fait la dernière fois. Donc voilà, donc là c'est le même système. Sauf que là, j'avais fait un gros trou. Bon là, il a un petit peu agrandi. Et en fait, il met ces trucs-là. Parce que je pense que le carré dans le carré, le rond dans le rond, le triangle dans le triangle. Je pense qu'il est un peu petit, il a que un an. Donc il est un peu petit, ça vraiment. Ça il y arrive vraiment très très bien. Donc du coup j'avais fait ça, mais ça j'ai commencé à lui faire, je crois qu'il avait 6 ou 8 mois. Et là je lui ai fait celui-ci avec des compartiments beaucoup plus petits pour une motricité beaucoup plus fine. Voilà, donc je pense qu'il devrait y arriver, mais là c'est vrai que je lui ai présenté ce matin, donc du coup il faut qu'il se familiarise avec. Voilà. J'aime bien, moi, lui inventer, c'est pas moi qui les inventais, c'est de la méthode Montessori. Mais j'aime bien lui fabriquer des jeux comme ça. Alors après, il existe aussi un autre jeu, mais pour ça, il me faudrait des chenilles. Je sais pas si vous connaissez les chenilles. Alors, actuellement, je les achète à Cultura. Je suis en train de vous parler, il est en train de me sentir. Logan, laisse-moi mes épices. Plus avoir d'épices et puis tu vas te faire mal. Hein? Tu vas te faire mal. Donc tu arrêtes, tu as des jeux, tu joues pas avec ça. Allez, laisse-moi ça tranquille. Bon, alors du coup, je vous disais, d'habitude j'achète les chenilles ou à Cultura ou à. Je les achète. Oh là là, j'y finis, mais là c'est fermé. Bon, il me tarde vraiment de pouvoir reprendre une vie un petit peu normale. Vraiment, parce que là, au niveau des vlogs, c'est toujours répétitif. Je crois que c'est toujours pareil. Hein. Je pense que je suis en train de regarder les vlogs un petit peu des mamans et c'est pour tout le monde pareil, je pense. Là, on commence un petit peu à tourner en rond et en carré et puis voilà. En tout cas, aujourd'hui, avec Jordan et Carla, on a décidé qu'on allait faire un challenge sport. Donc on va voir si on avait commencé un petit peu avec Carla au début du confinement à aller courir, mais c'était trop compliqué au niveau des réglementations, tout ça.
Donc du coup, on a arrêté. Et Carla a fait, elle, par contre, a continué son sport avec une application sur le téléphone, je crois, ou si je sais plus si c'est une chaîne YouTube ou une application. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire ça parce que ça fait passer un petit bout de temps. Puis du coup, le Jordan, il m'a dit, bah écoute, on va faire tous les trois. Donc cet après-midi, on va sûrement faire ça. Voilà. Là, je vais finir de me préparer. Et puis après, je vous. Bon, voilà, je vous reprends. Ben, je viens de finir de me maquiller, de me coiffer. C'est la cata, hein. Je vous montre. Au niveau des racines, c'est la cata-cata. Bon, c'est pas. Carla me dit que c'est pas moche, mais bon. Céline, si tu vois ce vlog, au secours, au secours. Voilà, bon, écoute, on va s'en accommoder, hein, pour le moment. Donc voilà, donc ça y est, j'ai fini de me préparer. Ça fait un peu du bien parce que là, ça faisait quelques jours que je me laissais un petit peu aller au niveau des vlogs, au niveau de la maison, au niveau de moi-même. Et là, il faut que j'ai décidé de me reprendre un petit peu. Voilà, le confinement commence vraiment à me peser. Pas de sortir, mais d'être toujours pareil, hein, d'être bloqué. Puis c'est répétitif en fait, les journées, c'est ça. C'est pénible. On fait du Netflix, on fait du ménage, on fait du rangement, on fait de la cuisine. Et là, vraiment, ça commence vraiment, mais sur le même quart là, on commence à en avoir vraiment très très marre. Donc, je me tarde vraiment de vous montrer ma vraie vie en fait, parce que là, c'est pas ma vraie vie, hein. Là, vous me voyez à l'intérieur. Bon, c'est vrai que je suis souvent à la maison avec Logan, hein, mais souvent je bouge quand même. Hein, mais là. Bon, c'est pas maintenant que va bouger, hein. Vous me direz, y a rien qui, tous les lieux publics ne vont pas ouvrir maintenant. Donc, ça va pas être d'ici maintenant que vous aurez un vlog, on va dire, d'activité. Bon, tant pis, hein, on s'en accommodera. Je vais regarder si les machines sont faites. Voilà, donc là, les machines, c'est bon, je suis à jour. J'ai mis deux machines ce matin, une machine là, deux machines dans le sèche-linge, une machine dans la machine. Là voilà, je suis à jour, là j'ai rangé un petit peu le KGB. La financière, je vous avais dit que du coup je n'ai pas sorti hier soir, donc du coup ben, ça va être reste de comment on appelle ça, de farci. Logan, j'ai pas préparé encore son repas. Bon, il s'est levé un petit peu tard ce matin, il s'est levé à 9h15 comme je vous disais. Donc du coup je me suis pas pressée pour le faire à manger, mais là il est midi quand même, il faudrait que je m'active. Alors je vais voir ce que je vais lui faire. Quelque chose de vite fait. Il me reste des haricots verts, donc je pense que je vais lui donner ça. Il me reste des haricots verts et puis je sais pas, comme viande. Je vais lui donner peut-être un petit bout de farci. Je vais voir si ça passe. Voilà, peut-être un petit bout de farci, peut-être la pomme de terre. Je vais voir. Voilà, je vais lui mélanger un petit peu tout ça et je vais le trouver, voilà. Là, j'ai pas refait de yaourt parce que je veux finir les petits Suisses qu'il y a là. Donc, à midi, je vais lui donner ça. Là, j'ai fait compote. Alors, par contre, les compotes, il va falloir que je les fasse. J'ai acheté tous les légumes la dernière fois, je vous les avais dit dans le retour de course. Donc là, j'ai acheté tous les légumes, tous les fruits. Je vais lui faire cet après-midi, je vais faire ça. Et comme ça, il aura les fruits. Donc là, midi, il n'a pas de fruits, tant pis.
Tant pis, tant pis. Bon, voilà, allez, je vais m'activer à faire tout ça. Je vous laisse parce que là, il commence à pleurer et il doit avoir faim. Bon, voilà, je vous reprends. Il est 15h. Et ben, écoutez, Logan est parti au dodo. Il y a un petit moment, hein, je vous revlogue depuis ce matin. Il est parti au dodo à 1h. Et là, avec Carla, on s'est mis devant Malcolm tranquillement. On devait faire du sport, mais elle n'est pas motivée. Hein, Carla? Non. Non, elle n'est pas du tout motivée. Donc, du coup, elle est un peu déprimée en ce moment. On commence. T'avais pas cliqué. Donc, je suis contente parce que j'ai reçu ma commande que j'ai faite dimanche. J'ai déjà reçu, je viens de la recevoir à l'instant. Et je vous en avais parlé dans un précédent vlog. En fait, j'ai commandé des draps housses. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un matelas de 30 cm. Et tous mes draps housses que j'avais donc ne correspondaient plus. Ils se barraient ou du côté de Franck ou du mien, ça me gonflait. La nuit, on se retrouvait sur le matelas. Enfin bref, la galère pour faire le lit, je ne vous en parle même pas. Et j'avais été à Carrefour en fait, et les draps housses, c'était super cher. Il fallait compter minimum 26 € pour un drap housse. Alors, il était hors de question de mettre 26 € sur un drap housse parce qu'il en faut au moins minimum 3 pour pouvoir tourner. Donc du coup c'était trop trop cher donc j'ai passé commande sur ce Cdiscount et je suis contente parce que un draps housse je l'ai payé 12 € donc du coup je m'en suis pris 3 donc je m'en suis pris un beige un gris top moi je gris anthracite et un blanc voilà couleur assez simple hein, qui vont aller avec tous les draps tous les housses de couette et ce qui vient en fait sur ces discounts enfin, peut-être sur d'autres sites mais moi je les ai commandés là c'est que vous pouvez choisir la hauteur du matelas alors sûrement dans les magasins ils le font aussi mais c'était trop cher donc là en fait j'ai pris un 180 sur 200 de 35 cm donc je l'ai pris plus grand j'ai pris en fait une housse de pour un lit je sais plus comment ça s'appelle King size, je crois. Donc 180, c'est vraiment grand, mais bon, on va voir ce que ça va donner de hauteur 35 cm. Et après, j'en ai pris deux de pareil, de 60, de 160 sur hauteur 35. Et l'autre, et un sur 30. Vraiment, j'en ai pris trois différents pour vraiment voir lequel il va correspondre. Alors, celui qui est 280. On va voir s'il va être trop grand. Et j'en ai pris un de hauteur 35. On va voir s'il va bien. Et j'en ai pris un de vraiment la limite 30. Donc, à voir. Moi, je pense que c'est celui de la hauteur 35 qui va correspondre le mieux. Mais bon, à mon avis, c'est adapté. Donc, je vous dirai en fait lequel il correspond le mieux pour un lit de 35 cm. Parce que pour le coup, il est vraiment, vraiment haut le matelas. Et bon, je suis contente, on dort bien. Mais pour faire le lit, c'est un petit peu galère. Donc voilà, je vous ai fait cette petite parenthèse là pour vous parler 5 minutes de mes draps. Je vois que ça fait quand même 5 minutes que je parle de ça. Donc voilà, donc je suis contente. Donc je ne vais pas changer mes draps de suite parce que je les ai changés hier. Donc ça sera sûrement lundi prochain. Là quand même, je vais les défaire, je vais les mettre à laver. Et je vais quand même retirer les anciens parce que ça va se mélanger. Et je pense que je vais sûrement les donner à ma mère ou je m'en servirai. Pour faire de la peinture ou quoi, voilà. Fait une gros dodo. Allez, on va voir Carla. Carla, elle fait des crêpes. Ça va lui remonter le moral de faire des crêpes.
Hein? Les crêpes, ça fait toujours. Les bisous. Comprends-le, il est lourd. Ah, ben oui. Ah, il y a d'une main. Oh, mon bébé. Ouf, d'une main, c'est super lourd. Bon, voilà, ben il est réveillé. Doudou. Il regarde ce que je fais. Il regarde ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que tu nous fais là, Carla? Ah, ben des crêpes. Hein. Les crêpes. Ça faisait longtemps. Tu le confinement, on l'a fait qu'une fois. C'est vrai qu'on a fait qu'une fois des crêpes. J'ai fait des cupcakes, j'ai fait le gâteau number cake, j'ai fait des gaufres, des pancakes. Je fais quoi ensuite? Mais pas de crêpes. Des choux roses. Des choux roses, mais on n'a pas fait. Les crêpes, on n'en a fait qu'une fois. Pour chasser des madeleines, il faudrait que je fasse la recette. Bon, eh bien on attend de manger, puis on va encore manger, hein. Vu qu'on ne fait pas de sport, on va encore manger. On va faire du sport. Presque 20h, Logan il fait dire de manger, tout le monde a pris la douche. Moi je ne me suis pas encore pris ma douche, mais ce soir j'ai le live. Donc j'avais complètement oublié que j'avais le live ce soir. Donc du coup j'ai pas fait la financière parce que c'était trop long. Donc ça sera croque-monsieur, mais vu qu'ils ont mangé les crêpes à 4h, personne n'a faim. Donc pour le moment personne ne va manger. Donc on va, ceux qui auront faim, ben ils se feront les croque-monsieur au moment où ils auront faim. Il n'y a pas de souci point de vue là. Moi je vais me connecter vers 9h moins de quart je pense sur le téléphone, sur l'ordinateur. Et puis voilà, alors je ne sais pas si je vais clôturer le vlog maintenant ou si je le clôturerai peut-être à la fin du live. Donc, je ne sais pas du tout pour le moment. Bon, en tout cas, si jamais je clôture avant, ne m'en veuillez pas de ne pas avoir fait une conclusion. Voilà. Donc, je vais finir de ranger vite avant que de faire le live. Logan a mangé, je vais aller lui changer la couche et puis après je vais essayer de l'endormir avant de commencer le live, sinon ben, ça sera Franck qui l'endormira, enfin le rituel du soir quoi, je veux dire, la petite lecture, le moment calme et après le doudou câlin et puis le dodo. Voilà, il y a toujours ce rituel là, on n'y échappe pas, c'est toujours la petite lecture, le moment calme, le doudou câlin. Et puis voilà, bon, après il fait un petit bisou à tout le monde, à ses frères et sœurs, à son papa s'il est là, et après il va au dodo. Bon voilà, donc si jamais je clôture le vlog maintenant, je vous dis à demain. Si jamais, je vous reprends tout à l'heure. Dans tous les cas, je vous dis quand même à demain. Bon voilà, ben je vais clôturer beaucoup plus tôt hein, puisque je me suis mise à 8h30 à me connecter sur l'ordinateur. Ça mouline, je ne vous dis pas les nerfs que j'ai. Je suis super énervée d'avoir dit à mes abonnés que je serai là et finalement je ne suis pas là. J'ai une visite d'un chien, bon c'est pas grave. J'ai à 8h30, connexion, pas de connexion. J'ai essayé de le faire sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Et sur mon téléphone, il me dit qu'il me faut 1000 abonnés pour pouvoir passer en direct sur le téléphone.
Bon, du coup, demain, je refais un live. Donc, pour vous, ça sera le soir même. Quand vous aurez la vidéo demain, en fait, ça sera le soir même. Si jamais je n'arrive pas à faire ma vidéo sur YouTube, je passerai directement sur Instagram. Voilà. Bon, en tout cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment désolée parce que je tenais vraiment à faire ce direct. Et vraiment, bon, ça a foiré. Tant pis, là maintenant avec la connexion, en même temps on est 6 à la maison, bon on compte pas Logan, mais on est 5 à la maison à tirer sur le wifi. Puis je sais pas ce qu'il y a, c'est vrai que ça fait quelques jours qu'on a du mal, même moi j'ai du mal à me connecter. Je suis obligée de lever la wifi à la maison et je suis obligée de me passer sur l'internet, sur le téléphone. Mais là, du coup, ça ne marchait pas du tout. Je vais re-essayer demain. Mais je vous dis, si demain ça ne marche pas, je passerai directement sur Instagram. Voilà. Bon, en tout cas, je suis vraiment désolée. Ne m'en veuillez pas. Je re-essayerai parce que je tenais vraiment à discuter avec mes abonnés en direct. C'est vraiment un truc que voudrais faire. Je tiens à remercier tous ceux qui étaient présents, qui ont demandé, qui les attendaient. Hein. Et puis, je vous dis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et je vous dis à très 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 vite dans un prochain vlog.